Bienvenue dans notre émission Écho de la diaspora utile et positive par Jean-Jacques Vidéo TV. Je suis Salomé de l'allée M à la présentation. Nous sommes aujourd'hui à Genève où nous allons être accueillis par une brave dame camerounaise, une brave dame dynamique, propriétaire d'un magasin, chef d'entreprise, Madame Sango Joséphine, de son véritable nom, Sango Exotique Market. Allons-y, suivez-nous. Okay. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez Sango Exo Market. Merci. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Dans votre magasin. Tout l'honneur est pour moi de vous recevoir. Alors, merci beaucoup, Madame Sango, voilà, de nous recevoir ici dans votre magnifique magasin. Merci à vous. Et de participer à notre émission Écho de la diaspora utile et positive. Mm-hmm. Pouvez-vous, en quelques mots, chère Madame, nous parler de votre parcours? Alors déjà, je vous remercie d'avoir ciblé mon magasin pour participer à votre émission. Mm-hmm. Je suis Sango Joséphine, propriétaire du magasin Sango Exo Market à Genève, mm-hmm. situé au boulevard du Pont d'Arc 19. Mm-hmm. Je suis ouvert 7 jours sur 7 et de 10h à 22h. D'accord. Voilà, donc comme je disais, moi c'est Sango Joséphine, mm-hmm. Je suis commerçante de mon état. Mm-hmm. J'ai commencé en fait l'entrepreneuriat il y a déjà un moment, mm-hmm. mais à la base j'ai toujours été dans les métiers de bouche, mm-hmm. dans l'hôtellerie. J'ai longtemps travaillé en hôtellerie, mm-hmm. et à un moment je me suis dit pourquoi pas me lancer en tant que propre patronne, vu que je connais très bien les avantages et les inconvénients de ce métier. Alors travailler dur, oui, mais pour moi cette fois-ci. Exactement, voilà. Vous avez en quelque sorte anticipé un petit peu ma prochaine question, parce que la prochaine question c'était de savoir un petit peu d'où venait l'idée, pourquoi ce magasin, etc., etc. Alors, est-ce que ça a été facile pour vous, la mise en place ou la création de cette structure? En fait, rien n'est facile dans la vie, vous savez. Déjà, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce cadre. Il a fallu déjà braver tout ce qui était régie, documents. On est en Suisse, alors... J'imagine. Voilà, exactement. C'est moins simple que dans d'autres pays, surtout la France, d'où je viens à la base. Mmh, mmh. Donc, ça n'a pas été évident, mais mm-hmm. je dirais que j'ai beaucoup été soutenue par mm-hmm. des proches mm-hmm. qui m'ont aidée, parce que quand j'ai pris ce local, c'était vide. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment une création. Ce n'est pas une reprise où j'avais trouvé quelque chose. Non, il n'y avait rien et je suis partie de zéro pour mm-hmm. arriver à ça, en fait. Okay. Donc, ça n'a pas vraiment été facile, mais quelque part, c'était un challenge que je voulais. Et, que vous avez relevé au la main. Je pense. Ça fait en tout cas un mois et demi qu'on est là, donc je pense que pour l'instant, je suis assez satisfaite. Mm-hmm. Alors, quels sont exactement les produits que nous retrouvons ici dans votre magasin? Alors pour les produits, j'ai beaucoup ciblé l'Afrique, mm-hmm. l'Afrique d'où nous venons à peu près tous, mm-hmm. Mais j'ai aussi des produits latinos, parce mm-hmm. que j'ai une clientèle, vous savez, l'Amérique latine mange à peu près les mêmes produits de base que nous, mm-hmm. j'ai beaucoup de produits latinos et certains produits asiatiques. Mm-hmm. Voilà.
Donc, d'où la provenance, on retrouve les produits, ça provient du Cameroun, de l'Asie. De l'Asie, de la Côte d'Ivoire, du Congo. Enfin, mm-hmm. J'ai une large palette de produits chez mon fournisseur. Mm-hmm. Et depuis, j'essaie d'adapter, d'agencer, de trouver ce qui va le mieux, qui passe le mieux sur le marché, mm-hmm. de changer au cas où ça ne passe pas, ou voilà, d'améliorer à chaque fois. Mm-hmm. C'est un travail quotidien, en fait. Mm-hmm. À quelle heure vous ouvrez ici? Parlez-nous un petit peu de votre journée. Ah, j'ai des très longues journées. J'imagine très chargées. Bah, en fait, il y a déjà tout le travail en amont, avant les horaires d'ouverture déjà. Mm-hmm. Vous savez, le travail de patron n'est pas facile. Oh oui. Voilà. Donc il y a déjà tout ça derrière, mais on va dire que les horaires du magasin, c'est de 10h à 22h. Mm-hmm. Mais j'ai quand même une équipe qui prend le relais à chaque fois pour que chacun puisse avoir une petite vie privée, mm-hmm. on va dire ça. Oui, alors nous avons pu constater que vous avez du personnel. Oui, bien sûr. Combien de personnes vous employez? J'emploie à peu près 4 personnes, mm-hmm. et j'ai un cuisinier qui tourne, qui prépare tous mes mecs, vous verrez au buffet, mm-hmm. qui est là à mi-temps, quoi. Donc mm-hmm. on va dire 5 personnes. D'accord, bah c'est super. Alors, vu que vous exportez les produits mm-hmm. Du Cameroun, oui. et que vous les faites connaître mm-hmm. ici, oui. en Suisse, mm-hmm. quel message, qu'est-ce que vous aimeriez adresser au gouvernement camerounais? Donc, alors, en tant que commerçante, depuis que j'ai commencé à exporter certains produits, mm-hmm. j'ai eu beaucoup de soucis avec la douane sur tout ce qui est emballage. Mm-hmm. Vous savez, on a tendance à faire un peu comme au village. On oui. met dans le truc, on attache. En fait, quand vous passez la douane, ils ont besoin d'avoir la composition exacte du produit mm-hmm. pour savoir les quantités. Et à mm-hmm. chaque fois, c'est un combat. Oui. J'aimerais bien qu'on puisse faciliter nos produits pour l'exportation. Mm-hmm. Parce que autant quand on est entre nous au Cameroun, on peut comprendre, mais quand mm-hmm. on vend aux pays étrangers, mm-hmm. eux, ils ne connaissent pas nos termes. On mm-hmm. est obligé chaque fois de... Je prends un exemple, quand j'exporte par exemple de la bière du Cameroun, il n'y a pas marqué derrière plein de composants, et oui. moi à la douane, chaque fois, je suis obligée de rechercher, de leur fournir un certain listing que j'ai mm-hmm. fait un travail pour pouvoir, vous voyez, expliquer. Et ce n'est pas seulement un produit, oui. c'est sur plein de produits. Donc, je voudrais bien qu'on essaie de se mettre à chaque fois un peu aux normes européennes mm-hmm. et surtout suisses, parce que c'est peut-être un peu plus compliqué de faire entrer certains produits en Suisse que par exemple en France. Mm-hmm. Voilà. Ok, je crois qu'ils ont... Ça aidera beaucoup en fait pour exporter les produits. Ça joue. Voilà. Donc, pouvez-vous nous communiquer à ceux et celles qui ne connaissent pas encore l'adresse de votre structure, de ce magasin? Alors, je suis située au boulevard du Pont d'Arve 19, mm-hmm. 1205 Genève. Mm-hmm. Je suis ouvert 7 sur 7, dimanche, jour férié, mm-hmm. de 10h à 22h. Mm-hmm. J'ai la partie restauration qui est ouverte jusqu'à 21h mm-hmm. pour pouvoir après laisser le temps à l'équipe de nettoyer et de ranger. Mais le mm-hmm. magasin, en général, ferme à 10h mm-hmm. pour éviter tout ce qui est bruit nocturne, et parce que je suis quand même dans une zone résidentielle, donc au-delà mm-hmm. de 10h, ça peut déranger les voisins. Mm-hmm. Voilà. Ok. Merci. Donc ici, nous remarquons aussi que c'est un lieu de rassemblement, oui. Voilà, pour nos compatriotes, le samedi et dimanche, oui. ils viennent se retrouver ici après les matchs 2-0. Bien sûr. D'ailleurs. Donc, voilà. D'ailleurs. Bonjour. 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 D'accord. Bref, voilà. Donc voilà, on parlait en fait, de... Voilà. Oui, c'est un lieu de retrouvailles, assez, le week-end surtout, mm-hmm. l'après-midi, mm-hmm. le soir, c'est assez vivant, on va dire ça. Mm-hmm. C'est une communauté qui se retrouve, mm-hmm. c'est assez agréable. Comme certains me disent souvent, c'est comme une ambiance du pays, voilà. Voilà. Donc c'est bien, voilà. Moi, je suis contente d'avoir pu rassembler cela en fait. Oh, bon, ça c'est bien, voilà, c'est exactement. Un lieu d'un moment de détente, oui, après de détente, une longue semaine de stress, peu, voilà, oui. on se blague, on se taquine, ça rit, ça pleure, ça se confie, bref. C'est assez convivial. Magnifique tout ça. Donc, voilà. nous aurons l'occasion aussi de prendre quelques impressions de, voilà, de ces compatriotes qui sont là. Nous sommes ici à l'espace Sango, Exo Market. C'est un espace convivial où on peut trouver les produits africains, notamment camerounais.
Et ça permet à notre communauté de pouvoir se ressourcer ici. Et pour ceux qui veulent cuisiner, ils peuvent trouver des produits sur des rayons et aller faire la cuisine à la maison. Et ceux qui ne peuvent pas le faire trouveront des produits, des plats déjà prêts qu'on peut emporter ou manger sur place en toute convivialité avec nos frères camerounais. Et aussi, on constate aussi la présence de certains Genevois qui apprécient ces produits. Nous pensons que notre sœur, notre jeune sœur, a eu une très belle initiative en mettant sur pied cet espace commercial. Voilà ce qui peut être, n'est-ce pas, dit à propos de cet endroit qui nous permet vraiment de nous ressourcer, de nous retrouver chez nous, de partager même l'actualité du pays en regardant les matchs, la télé, et en discutant. Et voilà. De passage à Genève lors de mon congé annuel, j'ai eu l'agréable surprise de découvrir Sango Exo Market qui promeut la culture camerounaise, l'art culinaire camerounais et le savoir-faire, le made in Cameroun. Vous trouvez des produits locaux du Cameroun et la cuisine bien faite du Cameroun, un espace convivial, bien aménagé et achalandé, où vous pouvez trouver tout ce qu'on retrouve au Cameroun. Et ça a été vraiment une très belle découverte. Je profite aussi de cette belle occasion qui m'a été offerte pour féliciter la promotrice qui a pu trouver un cadre convivial et agréable où les Camerounais et d'autres Africains et même des Genevois se sentent à l'aise et viennent ici, peuvent manger, peuvent boire la bière camerounaise, peuvent manger les mets traditionnels camerounais. Et c'est une très belle initiative. Donc, je vous conseillerais, si vous passez par Genève, de visiter Sango Exo Market parce qu'il y fait bon vivre. Voilà. La dame de fer, un de vie pour Yamama. Bonjour à tous, je suis Junior Mkoko, ex-footballeur camerounais. Et nous sommes présentement à Genève avec mon frère de toujours, Gigi Vidéo. Nous sommes chez Joséphine Sango, le magasin Exotic Market, à plein palais. Et alors c'est ainsi que quand je viens à Genève, je retrouve tous les confrères camerounais, la team quoi. On fait les commentaires, on regarde les matchs de Lyon et on mange de bons mecs camerounais. Alors je recommande à tout le monde de passer à Genève, de faire un tour. C'est du bon, c'est du bon. Il faut soutenir notre concert et puis ça fait plaisir de retrouver les siens ici. Allez, bon dimanche à tous. Alors, salut la communauté camerounaise. Je suis Peter Thiago. Je suis en congé en Suisse, à Genève. Donc je suis en congé à Genève. J'étais invité par mon ami, mon frangin Franck, au 2-0 avec avec les confrères, les compatriotes. Et on a profité pour... Enfin, c'est passé 2-0. Après, le foot, on continue avec la boisson et la bouffe. Donc là, on se trouve chez Sango Market. C'est un espace dédié pour la communauté camerounaise. Vous pouvez trouver tous les menus du pays. Mais là, je mange la queue de bœuf avec du riz sauce tomate. Et surtout, vous avez... le pamplemousse du pays. Donc, c'est un lieu agréable pour la communauté camerounaise. Donc, j'encourage les Camerounais de la diaspora et ceux qui viennent du pays comme moi à venir retrouver le Cameroun. Du coup, le lion blanc. Merci. En tout cas, bon, c'est une belle occasion pour nous de se retrouver dans un cadre très agréable chez Madame Sango, qui nous reçoit tous les dimanches.
après notre 2-0, troisième mi-temps de Genève. Dans le 2-0 de Genève, toujours le présenter ici pour une troisième mi-temps. On a des bons trucs, les habitués sont là. Hein. Et puis on passe du bon cadre. Et puis il y a beaucoup de mecs camerounais, il y a du jus. On est un peu comme au Cameroun. Donc c'est qu'on retrouve au Cameroun, on retrouve ici. La petite Guinée du pays, hein, donc on retrouve beaucoup de choses du Cameroun ici. Et ça nous permet aussi d'oublier aussi le Cameroun, de vivre aussi à Genève le Cameroun. De la communauté africaine en général, quoi. Donc, on invite tous nos frères africains de Genève et des environs à venir profiter du bon moment en communauté, parce que c'est important pour nous d'être toujours en communauté. Du 2-0, les Camerounais de tout, africains, congolais, tous les Camerounais de Genève et des à côté. Soucieux, bon dimanche à vous tous. Merci. Les décibels. La Donc ici, nous sommes à Genève, nous sommes à la Suisse et nous sommes dans le lieu camerounais, le lieu dit chez Sango Exotic Market. C'est un endroit où nous, les Camerounais de la diaspora, nous nous retrouvons souvent pour faire nos emplettes, pour acheter les produits du pays. Nous étions orphelins. Depuis un certain temps, elle a réussi à nous ouvrir cet endroit pour que nous bénéficions des produits frais du pays. Nous pouvons trouver ici des safou, des ignames, du folon, du ndolé et tout ça là. Donc aujourd'hui, c'est dimanche, je suis venu faire les courses chez Sango Exotic Market pour que, en semaine, je puisse profiter et bénéficier des produits frais qui viennent du Cameroun. Sango Exotic Market, the place to be in Geneva. Merci. Voilà, on est chez Sango, la boutique exotique en vogue, où nous avons l'habitude de venir souvent prendre un verre. La patronne est très très gentille. On trouve de tout ici. C'est ce qui fait un peu le charme de l'endroit. On rencontre des gens de différents pays africains. On partage. Voilà. Je vous invite à venir. Ne fût-ce que jeter un coup d'œil, vous ne serez pas déçus. Alors, pour tous les Genevois, pour tous ceux qui habitent Genève ou aux alentours, alors je vous invite bien à venir jeter un œil au Sango Market, qui est sur pas loin de Plein Palais, à Pont d'Arve. Alors, il y a du tout. Hein. Toute la bouffe africaine, toutes les boissons, tout. Il y a un accueil chaleureux où diverses communautés qui se croisent. Donc on passe notre temps, on vient boire un verre, faire des rencontres, rencontrer des gens. Donc c'est vraiment un endroit idéal. Alors je conseillerais à tout le monde, à tous les mamans, à tout le jeune maman, à toutes les personnes qui habitent Genève ou aux alentours, de venir voir. Sa Majesté, on doit pas aimer mon frère. Mon père, Mbarga, Simba, Lugouge. La valeur sur l'union est sauve. Nous vendons de la nambe de soi. Nous vendons de l'église de Mamba. Nassoua, Nassoua, Namba. Nippoua, de l'église de Tana. Nous vendons de la nambe de soi. On est là chez notre jeune sœur Sango, qui nous a fait le plaisir d'ouvrir ce petit cet Afro Shop, et ça va faire bientôt disons un an et demi. On a fêté son premier anniversaire récemment. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu très convivial. On se retrouve ici, pas que des Camerounais, on se retrouve ici entre Africains. C'est un lieu très très convivial. Ici, évidemment, au-delà du fait qu'on se retrouve pour déguster quelques petits mets de pays déjà préparés, on trouve des boissons de l'Afrique, principalement du Cameroun,
On est très heureux ici, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de discussion. On s'éclate. Après le boulot, chacun dans son couloir. Après multiples stress, on se retrouve ici et puis on essaye de changer. C'est un lieu par excellence où on trouve des produits exotiques. Tous les produits du Cameroun, on les retrouve ici. Et puis ça nous rappelle un petit peu le marché Mokolo, le marché de Nobel et tout. Voilà, on trouve de tout. On s'approprie de certains mets ici. On a des conseils aussi culinaires de certains spécialistes, de certains cuisiniers camerounais qui viennent de temps en temps ici donner un coup de main. Vraiment, c'est un lieu par excellence et puis on ne saurait jamais, jamais assez remercier la jeune sœur qui a pu nous donner cette occasion-là. Il y en a ici à Genève, mais ça c'est le lieu par excellence quand même. C'est un lieu qui est très réputé, qui est très reconnu. C'est une fille, c'est une dame très très gentille, sait bien s'occuper de sa clientèle. C'est une dame qui a toujours le sourire, c'est très important en tant qu'entrepreneuse. Vraiment, on lui souhaite tout le meilleur et puis on espère qu'elle tiendra longtemps. De toute façon, on l'aidera toujours à tenir longtemps parce que nous aussi, on y apporte de notre soutien, on y met la main à la pâte aussi. Et puis on est très heureux aussi d'avoir un endroit comme celui-ci. Vraiment, vraiment, bravo à la jeune sœur Sango. On vient ici chez Sango Exotic Market, boulevard de Pont-Noir 19. Un lieu de retrouvailles, un lieu de convivialité. Et je recommande toute la communauté africaine, en particulier camerounaise, de se faire un tour parce qu'on se trouve de tout ici. C'est un lieu où il y a un brassage de communautés asiatiques, latino, africains, maghrébines. Donc, faites un tour, vous trouvez de tout. Vous voyez, c'est un lieu de convivialité, de retrouvailles où on consomme exclusivement le pays, produits alimentaires, boissons alcoolisées et un peu de tout. Donc nous vous attendons nombreux, n'hésitez pas, c'est ouvert de lundi au dimanche. Merci. Spectateurs de Jean-Jacques Vidéo TV, vous qui habitez Genève ou les environs de Genève, nous vous conseillons une seule adresse
Sango Exo Market, ouvert 7 jours sur 7. Ici à Genève, où vous trouverez une palette de produits exotiques, africains, asiatiques. Pour vous qui êtes de passage ici sur Genève, et un appel aussi à nos chers amis helvètes à la recherche ou en quête de produits exotiques, de faire un arrêt, un passage ici dans notre magasin Sango Market Exotique ici à Genève. Vous trouverez une large palette de produits africains, exotiques, de la banane plantain, du ndolé, des épinards du Cameroun, etc., etc. Merci à vous. Merci à vous, Madame Sango, de nous avoir ouvert les portes de votre établissement. Tout le plaisir est pour moi. Ok. Alors, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre édition dans l'émission Écho de la diaspora positive et utile. On se donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous. Bye bye. Bye bye. C'est Jean-Jacques Vidéo. Vidéo. Monsieur 100 000 volts.